À Adzopé, le secrétaire général de préfecture a accueilli la délégation de la Convention de la société civile ivoirienne. Il s'est réjoui de cette mission de sensibilisation qui, pour lui, va permettre de dynamiser le processus. À la mairie, quelques difficultés ont été relevées sur le terrain par le secrétaire général, le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne, Siriki Bakayoko, et sa délégation se sont ensuite rendus au foyer des jeunes où les différentes communautés se sont mobilisées pour écouter le message. Nous avons dit à la population que c'est en fait, ça appuie le programme de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà que je veux dire. Si vous voulez que votre ville ait un programme d'assainissement, si vous voulez qu'il y ait des écoles, si vous voulez qu'il y ait des hôpitaux, si vous voulez même qu'il y ait de l'eau potable, c'est très important. Il faut connaître la population. Et ce qu'on leur a dit, il ne faut pas que ce soit uniquement les Ivoiriens qui fassent de l'ascenseur. Même son de cloche a soubré la délégation de la Convention de la société civile ivoirienne, conduite par le président de la FEDOCI, la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire, Kone Satigui, a sillonné la région pour porter l'information à ceux et à celles qui ne se sont pas encore concernés par l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. À Yamoussoukro, les membres de la Convention de la société civile ivoirienne ont eu plusieurs séances de travail. La nécessité de participer à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a été reconnue par tous.